La maman, bonjour. Bonjour, papa. On vous souhaite la bienvenue. Merci, papa. Le Dieu puissant de papa Florian est aussi passé dans votre vie. Amen. Et il a laissé des témoignages. Amen. On vous écoute. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Mon témoignage ce matin, c'est de dire merci au Dieu de papa Florian. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Le 22 du mois passé, j'avais problème de loyer. Donc, l'huissier m'avait appelé, il me dit, ah, madame Yeboua, il n'est pas chez vous. Donc, quand il m'avait dit ça, vraiment, j'avais peur. Mais après, je me suis ressaisie. J'ai dit, ah, il n'a qu'à finir de parler, moi, je vais prendre mon sang de Jésus pour prier. Donc, quand j'ai fini, j'ai pris mon sang de Jésus. Et j'ai dit au Dieu de papa Florian, Dieu de papa Florian, tu sais que moi, je n'ai pas l'argent actuellement. C'est à la fin du mois que j'aurai l'argent pour aller solder une partie. Donc vraiment, il faut les retenir pour ne pas qu'ils viennent, parce que je n'en ai pas. Ils viennent, ils vont venir m'humilier, mais je ne veux pas la honte. Donc quand j'ai dit ça, je n'habitais pas là-bas. C'est ma maman qui est là-bas. Je me suis partie, j'ai trouvé ma maman et je l'ai expliqué. Ma maman a eu peur. Et là, il dit, ils arrivent. Que mais, mettons nos foi en Dieu de papa Florian. Moi, je sais qu'ils ne vont pas venir. Vraiment, de 10h jusqu'à 16h, je n'ai vu personne. Le lendemain, j'appelle à la maison là-bas, on dit qu'ils ne sont pas venus. Le 5, le Dieu de papa Florian a opéré un miracle. Je suis parti, j'ai soldé une partie. Maintenant, le jeudi passé, je suis venu à la prière. Il y avait un problème de magasin aussi où ils disent qu'ils vont casser. Donc mon propriétaire m'a appelé pour dire, ah, ma fille m'a appelé pour me dire qu'on va casser le magasin. Donc je suis parti. Quand je suis parti, j'ai vu le propriétaire, il dit, ah, madame Yeboua, votre magasin, il y a un petit espace derrière, on peut repousser. Je lui ai dit, ok. Maintenant, il m'a dit ça, il faut que j'aie l'argent pour construire. Mais je lui ai dit qu'actuellement, je n'ai pas l'argent, il n'a qu'à attendre. Donc le jeudi passé, quand je suis venu à la prière, j'ai pris les éléments, j'ai pris le lait, j'ai prié. J'ai dit, ah, Dieu du papa Florian, opère un miracle pour que moi j'ai l'argent pour construire ce coin. J'ai donné rendez-vous au monsieur le jeudi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Auparavant, j'avais expliqué à mon grand frère. Donc, quand on a fini la prière, j'ai appelé mon grand frère. Il m'a demandé, mais est-ce que tu as fait le devis? J'ai dit oui. Il dit, c'est combien? J'ai dit la somme. Et puis, il me dit, ok. Maintenant, j'ai éteint mon portable. J'ai rallumé mon portable. Je vois deux appels en absence de mon grand frère. Il dit, ah, tu m'as appelé? Il dit, oui. Que tu as reçu? J'ai dit, j'ai reçu quoi? Il dit, je t'ai fait un dépôt sur ton portable où tu vas donner au gars pour commencer tes travaux. Amen. Donc, vraiment, je dis merci au Dieu de papa Florian. Gloire à Dieu. Parce qu'il est merveilleux. J'ai tourné de gauche à droite, je n'ai jamais eu un Dieu plus bon que ce Dieu, qui répond instantanément que ce Dieu. C'est le Dieu du tic au tac. Amen. Donc je lui dis beaucoup merci. Merci. Mais je demande au Dieu de papa Florian de me donner la force d'être reconnaissante envers lui. À chaque fois qu'il va faire quelque chose dans ma vie, que je puisse reconnaître. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On est béni encore de ces témoignages. Amen. Que Dieu de papa Florian continue de vous assister. Amen.